Mais Sakura, c'est Rosalys. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dessin en direct où je réponds à vos demandes et à vos demandes de dédicaces. Aujourd'hui, c'est une dédicace pour Aina, pour Marie-Aude, et ce qu'elle m'a demandé, c'est très spécifique. C'est un personnage de Eden Zero, le manga de Hiro Mashima, et il s'agit de Shiki Grumbel. Attention, Shiki Grumbel version... Je vous en parle tout de suite. Allons-y! Alors c'est parti, comme chaque lundi, on se retrouve à 17h. Prenez un papier, un crayon si vous voulez dessiner en même temps que moi ou juste installez-vous confortablement avec un petit thé pour profiter d'un instant chill à me regarder dessiner. En même temps, je papote et je commence par vous raconter le background de ce dessin. Donc en fait, au début, Aina... m'a demandé plein de personnages, je pense du coup ses personnages préférés, et justement je trouve ça très très bien, parce que donc dans les dédicaces, plusieurs personnes m'ont laissé le champ libre, d'autres m'ont fait des demandes spécifiques. Là, elle m'a fait des demandes spécifiques et avec du choix. Donc t'avais des personnages de City Hunter, de Eden Zero, et au départ, le personnage d'Eden Zero n'était pas Shiki, c'était... je vous spoil rien, enfin bon bref, c'était pas forcément lui, mais je pense que je sens quel est le genre de personnage qu'Aina aime bien du coup. Parce que la demande pour Shiki, c'était non pas le Shiki qu'on connaît depuis le début de l'histoire, qui fait très, comment dire, un peu... ado extraverti, un peu comme dans Fairy Tail, j'ai envie d'être amie avec tout le monde. Mais le Shiki, au plus récent, au plus proche de la prépublication, parce que, en fait, effectivement, il a évolué. Et j'espère que vous le verrez au cours de mon dessin, le chara-design est radicalement différent, enfin, je trouve. Pour le coup, ça me fait sortir de ma zone de confort, parce que c'est pas vraiment ce que je dessine beaucoup. Il se trouve que j'avais déjà fait un fan art de Shiki, mais dans sa version ado. Donc quand je dis version ado, en gros, c'est... Il a beau être très fort, en fait, il est assez filiforme, il a une silhouette encore assez jeune, et voilà, même s'il y a de la musculature, tu sens que, voilà, c'est un jeune, t'as encore une petite bouille, un corps qui est assez longiligne, voilà. Et puis tout d'un coup, pour ne rien vous spoiler, tout d'un coup, en fait, tu te retrouves avec une nouvelle carrure. Bon, en fait, tout simplement, vous le verrez, hein, mais il a une silhouette qui est beaucoup plus marquée par les combats et surtout par la maturité acquise. Et du coup, c'est pour ça que je dis, je sors de ma zone de confort, parce que, en général, si je dessine des garçons, c'est vrai que ça va être quand même, je sais pas, par exemple, récemment. La dernière fois que j'ai dessiné un personnage masculin comparable, ce serait plutôt un personnage de Sword Art Online. Et alors là, t'es vraiment dans ce schéma de... tu vois, c'est pas un bodybuilder, quoi. C'est pas un bodybuilder, c'est plutôt un jeune japonais qui est assez fin. Limite, tu pourrais pas trop dire qu'il a vieilli ou pas. Voilà, il a la jeunesse éternelle. Bon là, on est dans un cas de figure différent. Et justement, c'était très surprenant. Tellement surprenant que, en fait, pour tout dire, c'est exprès pour Aina que du coup j'ai rattrapé tout mon retard dans ce manga là. Attendez, j'ai un petit... Alors là j'ai allumé les spots à fond là, du coup j'ai super chaud. Ah bah c'est cool Aina, je vois que tu es dans le live chat. Bonjour à vous qui êtes présent dans le live chat, merci d'être toujours là. Et donc comme la demande était spécifique à Shiki, dès le dernier chapitre, je me suis dit, oh là, ça fait un petit moment que j'ai pas lu Eden Zero, et
Et je me suis dit, il faut que je me mette à jour. Bon, j'avais plusieurs tomes de retard. En gros, pour vous dire, j'avais lu tout l'arc au cosmos Sakura. J'étais rendue au cosmos Aoi. Et pendant un moment, je m'étais arrêtée. Donc, j'en étais toujours à la silhouette du début de Eden Zero. Et du coup, je me suis fait tout un binge reading en me disant il faut absolument que je sache, parce que je veux pas juste faire un chara-design à adapter, je veux connaître l'histoire du personnage, pourquoi est-ce qu'elle me demande spécifiquement Shiki dans son évolution. Et voilà, ouais, j'ai compris, c'est vrai qu'il a trop la classe en fait. Là, quand il a cette carrure-là, il a vraiment la classe. En plus, franchement, je trouve que le trait de Hiro Mashima, il embellit, c'est incroyable. T'as l'impression que chacun de ses dessins sont tellement faits avec une aisance, une facilité, chacune de ses courbes sont parfaites. Franchement, c'est super inspirant. Et en même temps, il trouve le temps alors de faire Eden Zero, complètement, de faire aussi Fairy Tail, 100 Years Quest, et de faire quotidiennement des petits dessins sur Twitter. Et tu sais, il met la Kugaki comme si c'était une esquisse. Tu regardes, c'est une vraie belle illustration, bien finie, bien léchée. Oh, c'est juste un pur génie. C'est bien, moi je trouve ça inspirant. Ça donne vraiment envie, quoi. Donc, c'est avec d'autant plus de plaisir que je dessine ce personnage aujourd'hui. Bon après, comme toujours, hein, je vous le dis, mais j'ai beau essayer de faire au maximum un personnage ressemblant à son chara-design, il y a quand même une touche Rosalis. Par exemple, là, ses cheveux qui font un peu super Saiyajin, ou Saiyajin tout court plutôt. Il y a quand même un petit peu des courbes avec moi, hein. Ça va pas être tout rectangulaire. Même si je trouve qu'avec Hiro Mashima, justement, vu que c'est vraiment joliment dessiné, c'est pas à l'économie, tac, 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 tac. Lui aussi, c'est bien travaillé. Enfin, je veux dire, lui aussi, il y a des courbes. Peut-être pas autant que ce que je fais moi, mais il en fait aussi. Donc voilà, Eden Zero, c'est cool. Hein. C'est... Du coup, je suis contente d'avoir repris la lecture. Très très contente. Il y a quand même eu un passage où j'ai pas passé des bonnes nuits. Hein, parce que c'était une histoire qui... Tu sais, tu te dis, Fairy Tail, c'est tellement gentil. Il n'y a jamais personne qui meurt, jamais personne qui perd vraiment. Tout le monde finit par devenir ami avec la guilde principale. Et bon, voilà, tout va bien, quoi. Que du coup, quand c'est pas le cas dans Eden Zero, t'es les grosses larmes aux yeux. Mais c'est bien quand il y a une histoire qui te prend comme ça à ce point. Belle évolution pour Hiro Mashima. Alors, du coup, là, je me suis surtout inspirée du chara-design du manga, forcément. L'adaptation animée, j'ai même pas regardé en fait finalement plus que ça. Au début, je m'étais dit, c'est trop bien, l'opening est génial avec Takanori. Et du coup, je voulais absolument suivre. Bon, finalement, j'ai regardé un petit peu, mais... Vu que j'ai déjà lu le manga et je connais toute l'histoire, des fois, c'est pas forcément marrant quand... très fraîchement, tu te souviens encore de l'histoire, de regarder une adaptation derrière, quoi. Bon. Mais du coup, forcément, là, enfin, je pense que l'animé est pas rendu à ce chara-design-là. Après, je trouve que quand le manga est vraiment très beau, bon, ça sert à rien, en fait, de vouloir s'attacher au design de l'animé. Toi, tu sais, t'as certains mangas où le dessin est un peu, bon, voilà, un peu sommaire et tout, et du coup, l'animé sublime... le dessin. Bah là, je trouve que Hiro Mashima, c'est tellement beau que, de toute façon,
Autant s'inspirer directement de son style à lui. Voilà, c'était tout ce qui concerne Eden Zero. Du coup, forcément, moi j'ai surtout plein de noir, genre sa chevelure, elle est toute noire. Je pense que je vais... Enfin, on va voir ensemble. Parce que là encore, je pense... J'aimerais mettre en couleur au propre cette illustration. C'est trop bien. Eh, ça fait un moment d'ailleurs que j'ai fait mon premier fanart de Shiki. C'est... Bah, je crois que c'est au moment de la sortie du tome 1. Dans du tome 1 ou alors du chapitre 1. Parce que du coup, on avait eu de la chance. C'était un des premiers mangas où on avait la prépublication. Quasi simultané en France en même temps qu'au Japon. T'avais toute la révolution. Tu sais, j'en parle comme si c'était il y a super longtemps. Non, ça devait être il y a, je sais pas, il y a quelques. Pas si longtemps que ça. Attends, je me souviens plus. Ça date de quand quoi? 2018 peut-être? Et donc, pour rappel, ce dessin est une dédicace. C'est une dédicace car sur. Mon fan club artiste, mon fan club Patreon, il y a le fan club dédicace où vous pouvez demander du coup une dédicace ou alors obtenir des goodies, suivre des mimi-cours de dessin. Voilà, donc le lien est dans la description. En plus de ça, bien sûr, vous pouvez avoir accès au serveur Discord. Et je le précise pas à chaque fois, mais en fait, quand vous adhérez par exemple à Mimi Cours de Dessin ou alors Fan Club Goodies, ben en fait c'est implicite que vous avez accès à la dédicace aussi. Parce que du coup, tu as des paliers, du coup j'ai numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, à partir du palier dédicace, tout ce qui est au-delà, en fait, tout le monde a droit à une dédicace. Voilà, c'est la dédicace de bienvenue au Fan Club. Donc si jamais vous aimez mes dessins ou que vous aimeriez avoir une petite dédicace, eh bien n'hésitez surtout pas. Patreon Rosalys Art. Et on y a une très belle communauté. Alors du coup, comme je disais, là on va avoir beaucoup de noirs et de détails liés au... manga. Ça, le chara-design de Shiki en manga, il est vraiment chouette. Tu sais, c'est pas... comment dire... Enfin, c'est pas basé sur des trames ou sur des nuances de couleurs. Ça va être paf, du noir très contrasté. Et également des liserés partout. Sa tenue est super chouette. Et alors là, on passe à la partie où je suis... voilà, c'est en dehors de ma zone de confort. On y arrive. C'est donc sa carrure. Tu sais, si vous regardez mes dessins ces dernières années, et en particulier quand je fais des dessins un peu Animal Crossing et tout, tu remarques que j'ai tendance à faire le visage très grand, très large, et puis assez bouboule, et le corps assez petit. Donc on peut en déduire que soit je fais des personnages assez, assez jeunes, par exemple Takagi c'était pile mon style de proportion. Donc voilà, soit ça, soit tout simplement c'est juste que j'ai envie de faire un style de dessin très mignon, très kawaii. Et donc là, Shiki, comme j'essaie de le dire sans le dire, a grandi. Et du coup, il a vraiment un corps, ouais, une corpulence plus mature. Donc tu peux plus lui faire une grosse tête et un tout petit corps. Au contraire, il faut inverser les proportions. Donc au début, je me dis, oh, ça fait trop bizarre parce que j'ai une toute petite tête et putain, les gros corps. Bah ouais, t'as des gros pectoraux et des gros bras. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de respecter là. Ah.
Après, ce que j'aime bien quand même dans les proportions de Chiki, c'est que pour autant, t'en es pas à du méga bodybuilding. Ça reste une silhouette ou un jeune, on va dire peut-être jeune adulte ou jeune qui se tient en forme et qui mène pas mal de combats, mais voilà quoi, il reste humain dans ses proportions. Pourvu que ça dure, bon, il n'y a pas de raison, hein. Et du coup, ce qui est très marrant, c'est que tu vois que lui change en tant que voilà, en tant que jeune garçon, avec le temps, il change. Mais par contre, tous les autres persos ne changent pas. Alors vous allez me dire, Happy, ouais, il n'a pas vocation à changer. Mais Rebecca, par exemple, rien ne change. Et c'est là que je me dis, ça doit être un peu pour représenter ce que Morgan me dit tout le temps. Morgan me dit, j'ai beau passer mes anniversaires, lui, il trouve que je vieillis pas. Et avant, je disais ça pour rire. Je disais, mais c'est mes gènes asiatiques. Dans la famille, on vieillit pas. Et de manière générale, tu regardes les Asiatiques, voilà, on vieillit de manière moins prononcée. Et en fait, c'est passé de la blague à, bon, bah finalement, c'est peut-être vrai. Donc on va dire que peut-être Rebecca a beau avoir une chevelure blonde, a des gènes asiatiques. En même temps, en venant de Cosmos Sakura, il y a des chances qu'elle soit japonaise en vrai. Bon alors attends, j'essaye d'oublier aucun liseré. Je pense que je marquerai un peu plus les traits tout à l'heure, y compris... Ah, au fait, ils sont marrants les sourcils de Chiki, hein. Parce que tu sais, c'est comme ça, et t'as l'impression qu'il n'y a pas la fin des sourcils. Bon, c'est le genre de remarque qui vaut quand tu le dessines. Après, quand tu lis le manga et que tu lis très vite les scènes d'action, par exemple, tu le vois pas forcément. Il est marrant son costume avec une croix. C'est genre... c'est une cible. Aïna qui dit dans le live chat, merci beaucoup Rosaïs d'avoir pris le temps de lire les derniers chapitres d'Eden Zero pour ma dédicace. Bah j'ai lu plus que... les derniers chapitres, hein, dis donc. En fait... j'ai de la chance parce que... Moi, j'aime beaucoup lire, en particulier pour ce qui est des shonen manga, j'aime beaucoup lire tout d'un coup, enfin une grosse partie d'un coup, je fais du binge reading. Et je sais que Morgan, pour tout ce qui est shonen magazine, le magazine de où est prépublié Eden Zero, il aime bien lire chaque semaine. Mais en fait, moi je préfère lire... plusieurs tomes. Et là où j'ai de la chance, c'est que je peux me permettre de faire ça parce que Morgan achète toujours tout. C'est-à-dire que je sois à jour ou pas, il achète les mangas pour être sûr qu'on les ait. Parce que on n'est jamais sûr en fait que ça tombe pas en rupture de stock en France. Et puis surtout, il est abonné à tous les services de publication, de prépublication. Bon, peut-être pas tout, hein, parce qu'au Japon, il y en a vraiment beaucoup, mais pas mal, en tout cas sur les magazines principaux. Et du coup, bah, j'ai pu rattraper tout Eden Zero d'un coup, quoi. Parce que tout était prêt, il suffisait que je décide de lire. Et donc, j'étais rendue, bah, comme je disais, Cosmos Aoi, donc j'étais encore vraiment loin. J'ai mis plusieurs jours, en fait, à lire. Enfin, plusieurs jours, plusieurs nuits. Puisque du coup, je lis le soir avant de dormir.
Et voilà, et sur le moment, j'étais pas sûre de réussir à être à l'heure, enfin, à réussir à lire tout à temps pour faire ces dédicaces-là. À partir du moment où j'avais vu son changement de chara-design, je me suis dit, c'est bon, je crois que je vais pouvoir faire la vidéo et le dessin. Mais je voulais être sûre quand même qu'il n'y ait pas un nouveau revirement, ou je sais pas, un double changement et tout. Donc je voulais vraiment être à jour de tout. Et bah j'ai fini avant-hier soir. Genre, oh, sur le rasoir. Pour un peu, je me disais qu'il fallait peut-être que je fasse la dédicace la semaine d'après, il y aurait eu un trou. Ça va, j'ai réussi à lire à temps, assez vite. Après, shonen manga, ça se lit vite en deux bases. Sauf quand vous lisez comme moi, c'est-à-dire en essayant de ressentir, en ressentant tout avec les personnages. Et là, tu prends beaucoup de temps. Et en plus aussi, quand tu admires les dessins, et les détails sur chaque dessin. Il y a des trucs que j'aimerais trop dire à propos de Eden Zero, mais... Genre, il y a un truc où, franchement, j'étais surexcitée, je me disais, j'en étais sûre! C'était trop sûr! Et en fait, je peux rien dire! Parce que, en fait, je sais pas où sont rendus tout le monde. Et, par exemple, Morgane, je sais qu'il est pas rendu, là. Donc, je peux pas dire le truc qui se passe! Je peux juste te donner un indice. Le truc avec Elsie! J'étais sûre! Ah, trop puissant ce manga. La croix. Ah bah là, on comprend pourquoi tout à l'heure je disais il est marrant son costume, fait un peu une cible. J'avais pas encore dessiné la croix que je disais, ça fait comme une cible vivante. Voir, ça fait un peu comme pour Moskoï, t'as un bouton, il faut pas que tu touches. Bah là, ça fait un petit peu comme si c'était la croix, il faut que tu vises dessus. Ou alors, on peut dire ça fait croix de pirate. Un peu... Ouais, non, je sais pas. Alors, première partie du dessin, n'oublions jamais de signer Rosalys. Ce n'est pas fini, on va passer à l'ombrage. Mais avant ça, une première petite photo pour le step by step sur Patreon. Alors attends, je vais passer un peu. Ah, mais je fais de l'ombre avec mon bras. Oh, je fais de l'ombre. Ok. Maintenant. Ah, c'est dommage que je fasse. Ou oh, alors attends, je fais de l'ombre comme ça. Ok. En fait, là, à ce stade-là, genre, je pourrais même le mettre en coloriage. Tu sais, c'est le fan club coloriage aussi. Et ouais, ça pourrait être sympa. Ah, j'hésite à faire l'ombrage du coup, parce que ça serait impec. Et en même temps, ce que j'avais prévu, en fait, c'est de faire... Bon, je vais faire comme j'ai prévu. Ah, au fait, dans 5 petites minutes, on se retrouve en live spécial fan club. Donc, il y a un petit changement dans le planning. Oh, Killaling, merci Aina pour ton super stickers orange. Waouh, qui dit tu es incroyable. Oh, merci beaucoup, très contente que ça te plaise. Tu préfères que je le laisse comme ça ou alors je fais l'ombrage? Je pense que c'est plus sympa avec l'ombrage. Hein. Attends, déjà, je vais montrer de plus près. Tadam. Checké. Donc, ce que je pensais faire, c'était marquer un peu plus déjà ses yeux. Parce qu'avec moi, c'est toujours ce qui compte le plus.
Et ensuite, je voudrais un peu ombrer ou faire un début d'ombrage. On va faire un truc comme ça. Ça va, on voit ce que je fais. Là, en fait, c'est la totalité de ses cheveux qui est carrément noir dans le manga. Quand c'est en couleur, par exemple, j'ai gardé un modèle devant moi, c'est en nuance de bleu. Et je pense que si je le colorise, je pense que je le coloriserai au propre. Je ferai justement des nuances de bleu. Bleu nuit. Elle sera super classe quoi. On voit presque pas à la caméra. Bon voilà ce que j'ai fait. Ensuite, marquer un peu plus le cou. Ça j'étais un peu étonnée. Alors j'ai fait comme Hiromashima. Mais en fait je pensais qu'ils allaient marquer sa pomme d'Adam. Enfin qu'il allait marquer la pomme d'Adam. Et en fait non, pas du tout. Bon, je vais laisser un peu le mystère là. Parce que je trouve que quand tu fais un personnage masculin vraiment mature, je sais pas, ouais, tu fais une vraiment grosse bosse là. C'est pas le cas, bon bah, c'est pas grave. Ok, alors, ça, c'est en noir. En fait, t'as vraiment beaucoup de zones en couleur sombre. T'as un gros contraste avec son costume. C'est vraiment intéressant. C'est là que tu vois, c'est un chara-design étudié pour du manga. Et après, en animé, je me demande comment ils vont le faire en vrai. J'ai hâte de voir. Et du coup, des fois, c'est pas évident. Parce que t'as noir et noir. Et donc t'as le noir sur sa veste. Avec la bande noire là. Et t'as le noir de son t-shirt. Enfin, bref, t'as vraiment beaucoup de noir. Là aussi t'as une petite zone de noir. Bon voilà, il y a tout son t-shirt aussi qui est noir. Je vais pas le modéliser. Mais je vais peut-être quand même faire en sorte qu'on voit. J'ai l'impression qu'à la caméra on voit pas trop ce que j'ai fait au niveau des cheveux. Ah oui, donc attends, je me suis interrompue tout à l'heure. Donc, petit changement de planning, vous savez, le live fan club que je fais chaque semaine, exclusif pour les membres fan club YouTube, membres Sakura à deux fleurs et plus. Habituellement, je fais le mercredi. Et en fait, j'ai des changements de planning, j'ai des changements indépendants de ma volonté, qui font que j'ai décidé de le changer et de le mettre là, juste après la dédicace, à 17h30. Du coup, on peaufine ce dessin et on se retrouve tout de suite après pour un live spécial. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce qui est de l'ombrage, pour mettre encore un peu plus de caractère à notre Shiki. Bon, pour l'étape par étape, je fais la photo et ce n'est pas fini. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on voit mon bras en ombre ? Ah non, en fait, à la caméra, on voit pas, mais c'est juste moi. Là. Si je fais ça, ça passe. Ok. Maintenant, dédicace. Aina qui a donc demandé que je dédicace à son prénom. Au prénom Mario. Merci. C'est bon, ça se voit. Marioude, attends, je vérifie. Je revérifie pour pas faire. Oui, Marioude.
Merci Mario d'être membre de mon fan club. Youpi! Terminé! Au passage, j'ai vu qu'aujourd'hui, Cicéron avait rejoint mon fan club dédicace, donc faut surtout pas hésiter à demander, si tu as une demande de personnage ou de style de dessin, et surtout à quel nom est-ce que je fais la dédicace? Est-ce que je le fais à ton pseudo, à ton prénom, au nom même de quelqu'un d'autre, hein? Pour rappel, Pepsinette, elle avait demandé pour sa voisine, et d'ailleurs c'était très mignon. Et donc tout ça, ça se passe sur Patreon. Mais comme d'habitude, comme je le dis toujours, sur YouTube, vous avez aussi accès à mes vidéos et c'est un grand plaisir d'échanger. Du coup, comme je l'ai dit, on se retrouve tout de suite, on enchaîne avec le live spécial Fan Club. Maintenant, vraiment, j'ai prévu de faire ces vlogs personnels, c'est comme ça que je les appelle maintenant, vlogs personnels hebdomadaires, au plus près de mon actualité, de mes pensées, de mes sentiments, des choses que je voudrais vous partager. Et du coup, ça va être cool. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo de dessin. Et à tout de suite !